Salut à tous, c'est Audrey. Aujourd'hui, je vous emmène dans la région lyonnaise avec recettes et cabas. J'ai reçu un énorme panier pour faire 4 repas, donc pour 4 personnes. Et on va découvrir tout ça ensemble aujourd'hui. Alors le concept de recettes et cabas, c'est de vous proposer un panier vraiment en kit et tout est fourni. Vous avez à la limite un peu de sel, de l'huile d'olive ou éventuellement du vinaigre à ajouter. Mais voilà, tout est fourni dans cette boîte. Et ce qui est bien, c'est que vous avez le panier tradition, donc c'est ce que moi j'ai reçu, c'est ce que j'ai demandé. Et vous avez aussi le veggie, voilà, qui est adapté aux végétariens. Alors on a pas mal de choses, de la salade, des poivrons, une botte d'oignons nouveaux, des aubergines, du citron. Alors tout est soigneusement emballé dans du papier craft, un peu papier recyclé je dirais, donc voilà, c'est un petit plus pour la nature. Et en fait tous les produits de ce panier, c'est vraiment de la région lyonnaise, le circuit est très court, donc voilà, c'est cueilli le matin, c'est envoyé dans la journée et vous l'avez quelques heures après. Alors ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce colis, c'est que vous avez des fruits, c'est génial, il y avait plein de bananes et plein de nectarines qui étaient juste mais sublimes. Alors bien sûr, je vous laisserai tous les détails, mais quand vous allez faire un tour sur leur site, vous verrez qu'on peut choisir les menus plusieurs semaines à l'avance. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors niveau recettes, là, on avait de quoi faire des salades de ravioles, les ravioles de romand. J'ai trouvé ça excellent. C'est d'ailleurs la recette que je vais vous proposer de faire juste après. On avait aussi un bouddha bowl avec des aubergines, pignons, feta. On avait un poulet basquaise. Et on avait aussi de quoi faire des rillettes de saumon. Donc voilà, c'est quand même pas mal. En plus, il fait très chaud, donc je trouve que toutes ces recettes étaient adaptées en tout cas cette semaine. Alors, comme vous pouvez voir, le poulet est sous vide, donc c'est vraiment la fraîcheur garantie. Le saumon, ça vient d'une super poissonnerie. Saumon fumé, pavé de saumon, enfin voilà, vraiment de la extra qualité. Et bien sûr, vous avez des gros pains de glace pour protéger la chaîne du froid, pour protéger vos produits. Donc là, je vous montre rapidement le flyer qui vous explique toutes les recettes. Vous avez tous les détails du contenu du panier, voilà, tout est indiqué. Bon allez, c'est pas le tout, mais maintenant je vous emmène en cuisine pour qu'on puisse réaliser la fameuse salade de ravioles. J'étais très curieuse et franchement c'est une belle découverte. Alors déjà, vous allez commencer en torréfiant les pignons de pain, c'est super rapide, hein, 2-3 minutes, et vous les réservez. Ensuite, vous allez poêler les ravioles de romand. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai poêlées en plaques entières parce que vous voyez, en plus il faisait chaud ce jour-là, encore plus chaud qu'aujourd'hui. Donc voilà, donc du coup ça collait un petit peu, mais pas de panique, on s'en fiche. Vous les dorez 2-3 minutes dans un petit peu d'huile de chaque côté, vous les laissez refroidir et après je vous montrerai comment faire. Vous prenez un saladier, vous mettez l'huile d'olive, vous mettez du sel, du poivre et un petit peu de vinaigre balsamique. Vous mélangez, vous ajoutez les pousses d'épinards, les tomates coupées en dés et ensuite les fameuses ravioles de romand que j'ai tout simplement laissé refroidir et couper au ciseau. Donc voilà, au moins elles étaient bien dorées, c'était efficace. Au moment de servir, vous ajoutez les pignons de pain torréfiés. C'est juste mais un délice. C'est une belle découverte. Franchement, je suis trop ravie. C'est vraiment une recette que je referai cet été, en tout cas régulièrement, parce que c'est simple. C'était nourrissant, c'était croquant, c'était frais. Enfin, vraiment, vraiment ultime. Recette et cabas vous offre moins 12 euros avec le code CHOC. M. Donc voilà, si vous voulez essayer, bah c'est le moment, vous avez un petit bon de réduction. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à Recette et Cabas, c'était vraiment une bonne expérience. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à aller découvrir leur site, je vous mets tous les liens juste en dessous. Likez la vidéo, partagez, mettez un maximum de pouces bleus. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde !